La Fondation Louis Vuitton consacre une saison d'exposition à l'Afrique et on a choisi de l'intituler le Grand Atelier en se disant que de plus en plus une scène artistique africaine se fait connaître à l'international, que l'Afrique est un peu le grand atelier du monde comme la Chine l'a été il y a 20 ans. La collection Pigozzi s'est constituée dans la dynamique d'une grande exposition en France qui a fait date, qui s'intitulait « Les magiciens de la Terre » et dont la règle du jeu était de montrer autant d'artistes occidentaux que d'artistes d'autres pays du monde. Ça a été un véritable détonateur pour Jean Pigozzi, qui l'a visité le dernier jour de l'ouverture et qui a décidé, à l'époque de manière aventureuse, de se tourner vers le continent africain et de constituer une collection d'art contemporain africain. Et nous avons pris le parti de choisir 15 artistes et de les montrer dans des sortes de cellules isolées, chacun pouvant développer son monde. La collection Pigozzi se déploie dans un espace-temps précis qui est les années 90 à 2000. Donc pour contrebalancer cette approche, nous avons choisi de présenter une scène contemporaine en Afrique du Sud qui est un petit peu emblématique de ce qui se passe partout en Afrique avec des centres d'art, un vrai paysage artistique, des galeries, des musées, une scène artistique qui existe depuis 3 ou 4 décennies. Nous avons décidé d'aborder la scène d'Afrique du Sud à travers sa jeune génération. Qu'est-ce que les jeunes avaient à nous dire? Les jeunes, c'est-à-dire des artistes nés après les années 80. Deuxième génération du post-apartheid. Cette scène qui est profondément engagée, quelles que soient les générations, à travers l'art, cela se manifeste par le fait que les œuvres existent formellement, mais en même temps, elles ont toujours quelque chose à dire. Yahweh.